Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous êtes la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous êtes en train de vous faire entretien et aller l'autre. Partin n'a pas perdu les élections. Il a gagné les élections. Vous avez dit que vous avez Congolais à la mouki. La mouka a sa la kaba réflexion y a bien pour na mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance, c'est ça déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ben Moli Kazana Lamouka, est-ce Kazana Ensemble, est-ce Kazana Union Sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Oaza Mato Yakoyoka, Ayoka. Bonjour à tous, merci de la confiance pour ça la meilleure des chaînes, la chaîne de l'excellence Télé Tchango. Tous en Kati à émission Nabino Entretien. Entretien, il y a les lots, il y a un vice-secrétaire général adjoint, il y a SID, parti cher à Martin Fayoulou, il y a un Molamboka, professeur Faustin Kouakoua. Na yé penza to kosola ma solo bobi ki actualité ezali dominé na maizai ko le kamata tao ezali na parti ya kwa muntu awa na porte ya Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe réellement comme azali moko ya ba notable ya grand bandundu akopesa biso moi éclairage. Qu'est-ce qu'il faut faire ba conséquence ya makamwana ezali ko sala ma ezali penza nini na niveau na bango ya parti. Est-ce qu'ils ont des informations ya makambo ezali ko le kaka. On a appris que le gouvernement a dépêché une délégation pour maîtriser l'Ikamboana. Tokolo Belapé arrivé il y a contingent il y a CAC na est ya mboka na biso babi baye pona kotia kimia ndenge akora Nairobi ba signa ki yango est-ce que nde yango e komema kimia na mboka na biso peto ko suki sa na ba manifestation za ko continuer ko salama na Goma bien que manifestation za ki interdite na maire ya Goma mais ba jeune bazali vraiment ko tenir à ce que MONUSCO kende est-ce que lelo nécessité que MONUSCO kende ezali nde en tout cas mon boko ma solo to sola na mon mboka professeur Faustin Kouakoua restez connecté professeur Faustin Kouakoua mbote maman gloire mbote pe ba balandi ya télé Tchango. Alors, Toyambi Olelo, il y a Liboso, vous allez moko ba notable, il y a grand bandondo, likambango penze zali ninyo zako leka na kwa muntu batwa zo moi idée parce que zo kakara ke kwa muntu kwa muntu. Qu'est-ce qui se passe vraiment na information aux anango? Qu'est-ce qui se passe omoni? Le vrai problème d'abord na mboka. Lelo batwa ko molo bela kwa muntu kwa muntu. Mais situation oyo, ça fait déjà quelques mois depuis que bandi. Donc, au moment où Tozali, na mboka Tozali, na communauté congolaise, mboka Izali constitué, structuré, na eloko tobengi pays, dès qu'il y a un problème, ce qui a solo mboka ezana ba kambi, qu'est-ce qui devait se passer? À la minute où il y a une situation qui oppose des gens, il faut que l'autorité de l'État s'y mette. Pour que à maîtriser, à trouver solution, Makambe Sila. Mais les autres, parce que les atrocités, surtout dans la vidéo, Makambo Bazo Sala, et comme ils ont blessé, Bazo Kata Batumitu,
C'est alors que les gens en parlent, alors que la situation est déjà depuis quelques mois. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce qui se dit, Bateke, qui sont évidemment originaires de l'espace territorial Wana, Bazali ko sepela lisu soute na présence ya bayaka o bazo sala bilanga kuna na kati ya mabele wana. Je me souviens que nga nazala déjà mon nazali moi na muke que je savais que na niveau na wana ya kwamutu ya plateau ya Bateke, beaucoup de population yaka, donc le soukou, les yaka, les pelende, les lonzo, tous ces gens-là aller habiter ma belle wana pour la rosala bilanga bazo ta Kinshasa bazo kende na plateau Bateke pour la rosala bilanga, ça n'a jamais posé problème. Ça là moi ferme mike wana, ça n'a jamais fait problème. Mais aujourd'hui la question a vraiment son sens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi au moment où mboka ezokope la moto côté à est wana to yebi ba guerre oyo banda kala côté à est yebi bo position ba soulevaka ba opposaka batu ba lendu na ba hima côté oyo to uta ko vivre comme wana tsapuna kati ya centre ya Congo, mais lelo e komi pembeni ya Kinshasa toujours komi tuna. Qu'est-ce qui se passe batu oyo bazali ke babando vivre na bango na kimia banda kala bazala kaba supposa kate. D'ailleurs, si tu vas plus loin, tant au benza ba Kinshasa oyo bazo ko occuper ngo po eko malelo yo capitale, mais les teke qui font frontière na ba population yaka ne sont pas directement ba banani moko peuplades moko qui s'opposent. Ils sont des peuplades voisins qui vivent à banda kala en harmonie, en symbiose. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Makameko Mabongo? Donc c'est ça officiellement ce qu'on dit. Mais en réalité, c'est quoi le problème? Nous sommes en train de chercher à comprendre ce qui se passe. C'est comme ça que le président Martin Fayulu a écrit cette lettre et a interpellé le peuple congolais, Mobimbabana Yakwamutu, le peuple Yaka. Que les gens ne cèdent pas na ba division wana ezo bébi c'est la bison mboka, qu'on fasse attention na biloko wana ceux qui ezana batu bazana sima bazo ko sabango ezala ba élu o ba député ezala ba bekolo mususu, c'est très dangereux. Est-ce que Ekoko Ekoza l'a instrumentalisé ou bien c'est fait sur base du tribalisme monté à tribalisme na mboka na? Mais ce qui est vrai, quand vous voyez Makameko Salema Ndengwana à niveau Oyo Yabatu Yaba villageois, comme on dit communément, ne vous trompez pas. À 80% des chances, il y a une instrumentalisation. Il y a quelqu'un qui est en dessous, qui est en train d'attiser le feu pour que la simple population, les simples villageois puissent réagir, Ndenge Bazo réagir. Ça, on ne va pas se tromper de ça. Bon. D'après ce qui s'est dit, Otozoyo Kanabatu, il faut prendre ça avec beaucoup de réserves. Il y a certains témoignages qui parlent d'un certain député, je ne dis pas le nom, qui a tenu des propos là-bas que voilà, il faut que Benganabatuana Bazoya envahir Bino, Lobi Baruzama Belena Bino Nosoawa, il faut que Benganabango. D'autres personnes disent. D'ailleurs, que situation Oyo Tozo Mona Wana, ça ne date pas de maintenant. Et bani témoignage Oyo Ngai na Mona Lobi Fokozango avec Guillaume. Témoignage, un jeune qui est parti là-bas, la mission, il y a église Nabango. Alobi, depuis janvier 2001, qu'ils ont vécu une situation dans le contexte Wana Yakwamutu. Où Batumoko Bazo ko attaqué, tantôt ba attaqué comme ba femme ya communauté Teke, tantôt ba ke ko attaqué ba femme ya communauté Yaka, et les gens ne comprenaient pas, tant on ba attaqué ba Teke Bazo kanza que ce sont les Yaka qui les ont attaqués. Ba ke ko attaqué ba Yaka, ba Yaka Bazo kanza que ce sont les Teke qui les ont attaqués. Alors moi, ma suspicion est comme il y a entre les deux communautés.
Voilà qu'un jour, et lui dit qu'il a vécu ça. Il y a un groupe de femmes teke qui a été agressé. Batouazala qui permet de faire Bakangi Batouana. Bakomi Rotula Bango Bino Boza Banani. Boutioua, pourquoi est-ce que Bozo a attaqué? Et pendant ma discussion, apparaît un autre groupe qui est Yaka, les hommes Yaka qui sont venus, qui ont constaté que Batou et Bazo qui ont interrogé Bango, Baebi Bangote. Donc on a batté que à gauche, Bayaka, à droite, devant un groupe de gens inconnus qui menaçaient ces dames-là. Alors, mais bon, ces situations-là, il y a déjà plus d'une année, Bazo vivre vraiment. Mais comment est-ce que le soi-disant l'autorité n'a pas cherché à clarifier ça pour comprendre ce qui se passe réellement? N'a pas réflexion, n'a pas vu ce que nous poser la question, mais si réellement on a vu Batouya Modèle Wana, on doit chercher à comprendre Batouya. Parce qu'il y a eu, moi je dis que voilà, je ne les accuse pas, mais ce sont des pistes de réflexion que nous devons essayer d'ouvrir, ma piste de ma réflexion. À un moment donné, il y a eu des gens qui sont venus ici avec de Bangombe, Ebele, 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 Ebele. Batouana Bakendawan. Bakendawan. Tozoyo Kabaka Moussou, voilà, Balini Bateka, Nangam, Bounabisokuna Bateka, Mabele, Nababababa, ou Rwanda Somba Mabele, Wana, na République démocratique, pardon, na République du Congo. Bangombe, Bazo, ça déjà de déstabilisation côté à Est. Ça, je suis en train de réfléchir à haute voix. Est-ce qu'ils ne sont pas derrière ça pour que Batinda Rabatou, Bayara Gogo, a tissé feu, Ba opposa Rabatou Nabiso, pour que Ekendeliboso, je ne sais pas. Autre chose, à qui ça profite ces trucs-là? L'implosion du Congo, parce que Elokwane Gogo, comme Mabiso Lobby, vraiment, n'a qu'à rendre Mboka ingouvernable. Qui peut en tirer profit? Point d'interrogation. Voilà, au niveau où nous nous sommes, nous ne faisons que nous poser des questions. Et nous pensons que nous devons avoir des réponses. Notre souci, à l'état actuel des choses, il faut que la situation en a ici, là. Notre souci, à l'état actuel des choses, est que le peuple congolais a zala ouvert, vigilant, pour empêcher Biloko wana que Batubaya Kaokosabango pour qu'ils s'attaquent les uns contre les autres. Nous n'avons aucun intérêt à chercher à se rendre à la biso ebeba parce que ngai nazali muyaka, wanaza muteke, ngai nazali muluba, voilà, wana biza Biloko na biso te mboka lokola ba le père de l'indépendance batike la biso to lobaki to zala Congo ekolo Moko. C'est ça l'objectif. Maintenir Congo et Kolo Moko, c'est ça qui fera la grandeur du Congo, c'est ça qui fera la puissance du Congo dans le Afrique, puis dans le monde. Ce ne sont pas les petites entités, Yamike, Mike, non. Voilà, on doit se détromper. Alors, mes questions, il y a les Congolais entre eux, Babandako, Bundana, Bundana, et comme récurrent, on a beaucoup de biso, Tomonaki, Awa. Kasai, tout le monde qui n'a qu'à Tanganyika kuna, tout le monde en a parti est en Mboka na biso. Quelle solution pour un problème wana? Et puis quelles seraient les conséquences? Il y a affrontement entre la population bongo dans l'avenir, na génération ezoya na si. Quelle solution? Quand vous regardez Biloko wana, dans un premier temps, qui sont les auteurs de Biloko wana? Les auteurs ya Biloko wana bazali batu oyo bazali en mal de positionnement politique. Ba auteurs ya Biloko wana bazali batu bazangi légitimité na niveau ya pouvoir oyo bazozwa. Ba auteurs ya Biloko wana bazali batu oyo bazoluka kobele kobebisa Congo. Quelle est la solution? La solution d'abord, il faut que ba konzi ya Congo oyo bakoyi ko régné na Congo ba recouvrer légitimité. C'est-à-dire que Mokonzi Oyo Yemoko peuple aponi pour qu'il soit au service du peuple qu'il a élu. Tant que nous aurons Bakonzi Oyo, Batubazo Tchabango na Bokonzi, Pobazana na service, Yabanguna, Yabapaya, ça restera comme ça. Parce que Bapaya Bazo nous a toujours déstabilisé Mbokanabiso. Tous ceux qui veulent avoir main mise sur le Congo.
pour Nabango, un Congo déstabilisé, un Congo qui n'est pas uni, vaut mieux qu'un Congo stable, un Congo fort. Alors que la puissance du Congo, on l'aura qu'avec la légitimité du pouvoir, avec le rétablissement de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, l'autorité de l'État n'existe pas. L'autorité de l'État n'existe pas. Les gens, bazaka qui va mbongo derrière mbongo va s'enrichir. Mais biloko wana, ce n'est pas leur affaire. Hier, moi, dans ma circonscription électorale à Fêche, j'ai été encore saisi que je n'ai pas mbinzo, yakabasuku, pelisili sous moi, manine. Et les responsables là disent, nous sommes en difficulté parce que nous n'avons pas une présence pour yaba policier suffisante. Vous comprenez ça? Quand à ce niveau-là, on n'a pas une présence, il y a pas de policiers suffisants. Comment voulez-vous que dès qu'il y a un problème, Batouba intervenir? C'est ça le problème. Là où on a besoin justement de force, on a basala musala, personne ne s'en occupe. Mais pour venir réprimer Batouba à Kinshasa pour des rien, pour alors que les gens ont le droit de marcher, de manifester, on voit combien de policiers qu'on aligne. Mais à travers le pays, n'ont aucune attention. Ils veulent toujours protéger leur pouvoir illégitime, illégal, qu'ils ont acquis par fraude, par corruption. Mais pour mettre les services nécessaires pour protéger la population, pour pouvoir établir l'autorité de l'État, ce n'est pas leur préoccupation. Donc voilà la solution. Il faut un État qui est gouverné comment ? Des gouvernants qui aiment le pays, qui ont été votés par le peuple, qui ont le souci de rétablir l'autorité de l'État, de protéger les frontières de l'État, de garantir la cohésion nationale. C'est de ça que nous avons besoin. Et les conséquences pour les générations futures? Ah, mais c'est ça le repli identitaire. Conséquences, soit les alliés que projet Oyoyaba perdre l'indépendance. Congo est à la moko, est à la fort, comme nous le chantons, un Congo plus beau qu'avant, puissant la Katianini, tout mettre en mal justement. C'est comme ça, vous voyez, le Congo c'est toujours comme un canard boiteux qui ne sait pas aller de l'avant, alors que c'est un pays, Dieu merci, doté de richesses, il y a modèle dans modèle, qui devait être une grande puissance na Katia Afrique. Donc, par conséquence, il y a une déstabilisation, il y a Mboka, freine le développement, freine la grandeur du pays, freine l'harmonie et puis vivre ensemble. Et nous devons mettre fin à Bilokoana. Très bien. Alors, nous avons appris qu'une délégation gouvernementale et Longwe Kinshasa peut commander à Kwamoutou et s'enquérir de la situation Wana. Parlons sécurité toujours, mais cette fois-ci, la partie Essambo Kanabiso avec l'entrée de y a contingent et à CEAC dans le cadre y a Bakor Obaoteko signé na Nairobi. Déjà, ba troupe Bandikoya, Burundi et Kotaki, Nawek Basali relève y a Ougandé. Est-ce que ça serait la solution, professeur? Ça, ce n'est pas la solution. Encore une fois, je vais évoquer le président Martin Fayulu qui dit, écoutez, un État responsable ne sous-traite pas sa sécurité. Nous, dans les idées, nous nous sommes déjà prononcés à travers le président élu que la vocation du Congo, c'est d'abord d'être en Afrique centrale moteur. Il y a développement et Afrique centrale. Notre vocation, c'est d'être dans cette communauté. Il y a l'Afrique centrale et on peut accepter l'Afrique australe. Mais il y a l'Afrique de l'Est qui s'est construit en ne prenant en compte que l'Est du Congo, pas l'intégralité du Congo. Les CAC, on a les communautés, on a besoin de communautés d'Afrique de l'Est. Bazos, on a Congo, on a parti à Congo. C'est pour travailler avec une partie du Congo. Et tout esprit censé doit se poser la question. Pourquoi simplement la partie est du Congo? Le Congo, ce n'est pas l'est du Congo. Le Congo, c'est toute la République démocratique du Congo. Si on s'insère dans une structure donnée, mais pour que nous puissions avoir les dividendes qui profitent à toute la nation congolaise. Mais ces gens qui veulent prendre que l'est du Congo, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Donc nous, on s'est prononcé en disant que non. Aujourd'hui, nous avons évidemment... déjà des forces étrangères, la MONUSCO. Nous avons la brigade qui accompagne
MONUSCO brigade d'intervention. Mais la Katia brigade d'intervention, les Tanzaniens sont là-dedans. Les Kenyans sont là-dedans. Mais maintenant, quand vous dites nous voulons mettre une autre force, il y a un pays où on est à l'Est. Il faut qu'on mette tout là. Et l'eau qu'on vient ajouter au Ezalakate. Ouganda, bazar déjà na Kati. Rwanda, à travers sous-traitance, il y a M23, tout ça, bazar déjà na Congo. Mais quelle est autre force au bazar sous-bazar na Congo? Tchad, bazar déjà na Kati na Bambogoro, na Kati à Congo. Les Mbogoro qui sont aussi armés, qui sont en train d'occuper le territoire qu'on a à l'est à Congo. Mais quel est le problème? Le problème, moi, je fais la lecture à travers ces pays-là qui veulent avoir une mainmise sur les richesses du Congo. Déjà, il y a velléité, il y a déstabilisation à Congo et puis il y a exploitation de la richesse à Congo. Souvenez-vous, il y a une déclaration, il y a vice-président kenyan, il y a un qui a voté, ceux qui ont voté, puisque j'ai appris que l'autre a déposé une plainte. Qu'est-ce qu'il a dit sur le Congo? Donc, nous sommes tellement de fainéants, nous ne faisons rien. Donc, c'est chez nous qu'il doit venir investir pour Bazoua, vous comprenez? Donc, en mettant la force locale à Wana, c'est une façon pour eux d'occuper les Congo, de venir investir avec Bango pour que Bango Bazoua, puisque nous allons rien tirer dans un pays mal gouverné, dans un pays où les structures de base qui peuvent nous aider à développer notre économie, et ça plus pour notre intérêt à Bango. Et c'est ça qu'ils sont en train de viser. Et devant tout ça, ou au-dessus de tout ça, c'est l'ombre de Kagame. Dans ces états-là de l'Est, c'est l'ombre de Kagame qui est là-dedans. Ils sont en train d'accompagner ce projet de Kagame. Et nous avons dit ce que nous avons dit là-dessus. Voilà, c'est drôle, c'est dommage. La solution, c'est d'abord rendre le FARDC forte, puissante, organisée, structurée, bien équipée. C'est d'abord ça la solution. Sommet, on a basala qui. Na Luanda, retrait à M23, Bunagana, Tissuku est occupé, état de siège, comment expliquer? Mais justement, c'est comme ça, nous ne cessons de le dire, nous avons exigé la levée pure et simple de l'état de siège. Tous ceux qui viennent de là, qui vivent la situation, vous disent que cet état de siège, Wana Ezali, Atana, effet positif, Teponamboka. Et ce sont des choses à travers lesquelles vous devez aussi comprendre ce que nous sommes en train de dénoncer. La complicité du gouvernement actuel dans ces situations-là, depuis Kabila, Lelo, c'est la complicité de ces gouvernements dans la question, il y a déstabilisation, il y a Mboka, dans la question, il y a insécurité, Nakati Mboka Nabiso. Ils ont eu le pouvoir, Nabatouana. Et ils sont en train de les accompagner pour qu'ils accomplissent projet Nabango. Donc tout ce qui est là, Bozomona, il ne faut pas dissocier ça. Ça fait un tout. Ça fait un tout, comme on dit, menté, il en restera toujours quelque chose. Quoi que vous fassiez, quitte, la tête apparaît vite. La vérité finit toujours par triompher. Et nous sommes en train d'aller vers cette vérité qui montre claire, nette, leur implication, Bango Penza, malgré ma déclaration, la guerre, tout ça, c'est faux. Bunagana est toujours occupé. Ils sont en train de prendre encore Bater Moussousou. M23, c'est toujours là. Ils sont toujours secondés par les Rwandais. Ce sont eux qui ont signé Bakor na Bango. Tout ça, ce sont les mêmes histoires depuis plus d'une dizaine d'années, même modus operandi. M23 au Singaba pour parler direct dans le gouvernement. Tout le monde qui Sanjo à Kinshasa, il semblerait, selon les rumeurs, il serait venu pour baliser chemin, pour parler. Comment vous jugez cette démarche? Mais le M23 s'est dit haut et fort, ils sont des Rwandais. Alors, si vous voulez, combien de fois on va encore pour parler avec le M23? Combien de fois? Le M23, c'est le même RCD, non? Le M23, c'est le même CLDP. Combien de fois doit-on parler avec ces gens-là pour les mettre dans d'autres armées qu'on accuse aujourd'hui d'être infiltrés? Mais c'est le même processus, le même mode d'opération qu'ils font pour que Batrabamo Bakota va torpiller de l'intérieur les FARDC. Chaque fois, Bamsou va bimi Libanda, et puis après un moment, Bamsou va être au Kota, comme même à la logique, on a logique, on a Torosu Kanango jusqu'à quand?
C'est comme ça que nous nous disons qu'il faut un pouvoir fort, voulu par le peuple, installé par le peuple, et non pas les gens qui sont étrangers, qui pour jouer le jeu. C'est tout. Très bien. Départ à Monusco, des manifestations annoncées, bien qu'interdites, à Goma, par les jeunes. Est-ce qu'il y a nécessité que Monusco kende les lots? Vous voyez, ce qui se passe là-bas, à Goma, à Bavilo, à Butembo, du côté des jeunes, ça peut se comprendre comme une attitude de désolation à niveau des jeunes qui sont habitués à être persécutés, à être tués, à voir comment les tueries se font, alors que la MONUSCO est là, ils estiment qu'ils ne font rien. On peut comprendre ça et les leur concéder. On peut comprendre ça. Alors, si, surtout que si. Batumususu, le corps à Bomolaga, les Kaki, Bakekuna, Batisango, les Susu, Bapuye, Bajanoana, et que les jeunes arrivent à faire ce qu'ils ont fait. Ça peut. Donc voilà, c'est les choses telles que ça se fait. Mais en réalité, comme je viens de le dire, tout en comprenant la frustration de la jeune Nabiso côté à Est, mais la réalité des choses, la sécurité de notre pays, nous revient d'abord au gouvernement congolais, à l'armée congolaise, à la police congolaise. Nous revenons sur ça qu'on ne peut pas sous-traiter la sécurité de son pays. Non. Alors, c'est dédouané pour mettre tout sur Mukongo, il y a MONUSCO, malgré ma faille, bien sûr, ma limite, il y a MONUSCO. C'est un peu... voilà. Je dirais que c'est faire un peu fausse route. C'est faire fausse route. C'est bien, la MONUSCO peut partir, l'élo, et en lieu et place de la MONUSCO. Il y a une force qui est à l'Est, il y a accomplir la mission de la balkanisation. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que le vrai problème, c'est qu'est-ce que les FARDC peuvent faire? Et ceux qui règnent, qui gouvernent ces pays par défi, s'ils ne sont pas complices, ils devaient doter les FARDC des moyens nécessaires. Ils devaient mettre fin. Nabiloko Bazolo, nous avons privilégié le Nil, comment ils appellent ça, la Nil diplomatique. Non. Cette diplomatie, on a eu l'occasion depuis que Kabila, ça fait plus de 20 ans que les Congolais sont en train de mourir là-bas. On doit équiper l'armée congolaise, on doit préparer l'armée congolaise, on doit mettre l'armée en état de la défense de la nation. S'ils font ça, c'est alors qu'ils quitteront. On pourra dire qu'ils ont compris qu'ils ne doivent pas toujours continuer à être complices. Mais ces stratégies-là, on ne les fait pas. On ne les fait pas. Et pendant que le pays, vous voyez même l'attitude de ces gouvernants, vous voyez même par leur attitude, leur propre comportement, que leur tête n'est pas là. Comparez le président ukrainien qui est en guerre. Voyez ici les gens qui sont ici, comment ils se comportent. Et puis vous allez donner vous-même la réponse en disant est-ce que le pays est réellement en guerre ou tout simplement on est en train de nous distraire. Complètement, c'est de la distraction. Professeur, on va terminer par là. Vous allez donner votre dernier mot, mais un commentaire après les propos tenus au Tchad par le président Félix Tshisekedi, commenté par ma maman Marie, et puis voilà, opposant, ou au critique, au finga. Et puis cotisation et à Maman Marie, vous en êtes où? Commentaire, est-ce que j'ai un commentaire? Puisque Maman Marie a réagi elle-même, sagement, de manière responsable. Maman Marie a réagi, en disant qu'elle n'a pas quelque chose à dire. Moi, je pense aussi que c'est sur les traces de Maman Marie. C'est irresponsable de tenir de tels propos pour celui qui s'est dit président de la République. Et ce n'est pas à moi de réagir là-dessus. Il n'aurait pas dû. Ça, c'est des deux. Là, ce n'est pas une faiblesse de l'opposition. Parce que ces propos-là qu'on tient aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi? On est tellement dans une culture d'anti-valeur où les gens croient que tout leur est permis. Quand ils volent, c'est normal. Quand il triche, c'est normal. Et toi qui viens dire que non, là-bas tu as triché, c'est toi qui deviens mauvais. Là tu as volé, c'est toi qui es... Et moi j'aime bien répéter ce que l'adage de chez nous, je traduis ça directement.
Toi qui t'es déshabillé, tu n'as pas honte. Et moi qui viens voir, c'est moi qui dois avoir honte. Quand on est quand même chef quelque part, il y a des actes qu'on ne peut pas poser. Par exemple, les détournements, les vols, les atteintes aux droits humains. Ceux qui subissent, ceux qui voient, qui constatent. Mais le pays n'est pas ta poche. C'est un bien commun. Et quand les gens voient qu'effectivement il y a eu des vols, parce que ceux qui volent ne laissent pas de traces. Vous voulez quoi qu'on vous dise? Vous ne laissez pas de traces. Ou on croit qu'ils ne laissent pas de traces. Mais ceux qui voient, qui constatent, ils en parlent. Et puisque les traces, peut-être, ne se laissent pas. Mais les traces se voient au niveau de ce que cet argent-là devait faire. Et on ne l'a pas fait. Et on va vous dire que maintenant, l'argent a pris une autre direction. C'est comme ça qu'on dénonce. Et quand on a dénoncé, ne venez pas nous dire que vous nous avez insultés. On ne vous a pas insulté. On a dit la vérité de des actes que vous avez posés. Et le train-train de vie fait voir aussi que, effectivement, là on devait faire ceci, l'argent n'a pas été. Mais regardez dans son train-train de vie, ce qu'il fait. Donc l'argent qu'il utilise, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable, ce n'est pas l'argent d'un individu qu'on vous laisse faire comme vous voulez, qu'on ne dise rien. Personne ne va nous intimider pour ça. Nous, je pense que c'est lui-même... Comme opposant, il l'a dit, il a fait, il y a des vidéos qui circulent. Et aujourd'hui, il ne veut pas que ça se trouve. Quand il disait que Bazaba Miyibi, pourquoi il avait dit? Mais les mêmes actes que ceux-là ont posés, c'est ça qui continue à se poser aujourd'hui. Et on va demander aux gens de ne pas les dire, de ne pas les dénoncer. Non. Un dernier message? Moi, mon message, c'est tout simplement par rapport à cette situation d'insécurité qu'on crée partout. Il faudrait que nous rappelions au peuple congolais qu'il reste vigilant, qu'il ne se laisse pas distraire ni instrumentaliser par qui que ce soit, qui prend ces points de division tribale, ethnique ou quoi, comme étant quelque chose de solide. Ah, mais Mabino Nanzela, non, il faut que Boya Yangotosa, Bana ya Congo, Bolamu ya Congo, Bokasi ya Congo, nous sommes à Congo pour les arapendants, Mbokamoko Makasi, et que Sale Mabobele soit au Tikali, Tosali Bomoko, soit au Lingana Bison Abiso, Tozo Zaraya Équateur, Ozaraya Mbundima, Ozaraya Kwango, Ozaraya Kasumbalesa, Ozaraya Baouele, Bisoba Soto, nous sentir congolais, Moninga Vanyuana, Yopo Rovandawana, Bozabana Congo, Otongana Est, Otongana Nord, Otongana Centre, na Sud, Ozaga na Congo, Osara Musara, Sikano Solingi, Ozaga na Congo, Manso Togosara, Po et Tombo la Congo, c'est ça qui est important. Professeur Totondi Botoni. Naipe la Tondi Bino Botoni, merci.